Bon, ça c'est facile aussi. Là, c'est un synonyme d'ânerie. Ah, tiens, c'est pas ce que je croyais. Ah, si, ah oui, ok. Sottise. Oui, ben, je me suis trompé. Là, c'est pas le. C'est pas mettre fin à une. Attends, c'est pas au pluriel. Non. C'est pas la fin en anglais, c'est pas end. Mais c'est une manière de couper une énumération non complète. Mais pour dire, il y en a d'autres, mais j'ai pas besoin de le mettre. Ça vient plutôt du latin cette fois. Etc. Alors je ne connais, je me rappelle jamais la règle. Je crois qu'on met pas le point après etc. Je crois qu'il n'y a pas de point. Sauf en fin de mot, évidemment. Qui a une taille svelte, qui a la taille svelte. Alors, une mesure de pré, c'est une mesure de terrain. On l'a très souvent. Voilà, art. Ah, ça, je me demande si c'est pas un chien. Ça irait bien avec le chien. Honnêtement, je crois pas, mais ça irait bien avec le chien. Parce que là, je vois pas là. Cœur du saucisson. Ah! Ça, c'est un truc d'héraldique. Je suis assez ignare en héraldique. Ah, l'orème, est-ce que tu as le point culminant de l'Arabie Saoudite? Ou peut-être pas le point culminant, mais une montagne. Enfin, je sais pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait des montagnes en Arabie. Ouais, secret, j'y pensais. Donc là, l'alto, là, on dégrave quinte. C'est l'alto, je pense, grave pour le son, puis quinte. Temps d'être in. Bon, attends, on va reprendre. Ça, je n'ai pas saisir. Alors, c'est un synonyme de saisir. Hein. Spencer populaire, je ne sais pas ce que c'est ça. Ah, si! Ah ouais, alors là, ça vous est complètement étranger, ça. C'est l'ancienne femme c'est le prénom d'une princesse. Non, le nom de famille, le vrai nom de famille d'une princesse qui est morte sous un pont à Paris. Voilà, Lady Di. Oh putain, ça il fallait aller chercher. Hein. Donc ici, saisir, c'est un synonyme de saisir. Ah ouais, ah, là c'est le spécialiste des serpents. C'est le nom du scientifique qui est spécialiste des serpents. C'est assez bizarre comme mot. Je vois pas d'où est-ce qu'ils ont trouvé ça pour. Voilà, c'est prier. Je sais pas où ils ont été cherchés pour faire ce mot-là. Terrain propre. Donc, si je vous dis que c'est un spécialiste, vous devez pouvoir me trouver les cinq dernières lettres. Les cinq. Comme si je vous disais que c'était une science, vous pourriez me trouver les mêmes cinq dernières lettres. Ah, bah, vous avez trouvé tous les deux prières. Voilà, log. Petite fille malpropre. Non, heureusement que c'est pas en 6 lettres. Vous voyez, une grosse salope, gros comme une maison. Boisson gazeuse. Ouais. Boisson herpétologue, voilà, bravo. Je sais pas où est-ce qu'ils ont été trouvés ce mot. Je sais pas d'où est-ce qu'il sort ce mot. Tiens,
Ça doit venir du latin, mais herpétologie, ouais, j'ai pas mis d'accent donc. Herpès, rampé. Ah d'accord, ouais. Ah ouais, oh putain, c'est. Alors, composé d'une part du préfixe herpéto, dérivé du latin herpes, qui vient d'une racine grecque herpo, rampé, qu'on retrouve avec une altération du H initiale dans le mot serpent. Waouh! Ah ben moi, je crois que je ne le connaissais pas avec le H. Je crois que c'est pour ça que ça ne m'a pas choqué. Je suis pas sûr que je le connaissais avec le H. Mais pour voir que serpent a la même étymologie que ce mot-là, hein, parce que je ne me trompe pas, hein, il va bien me dire que serpent, ça vient de serpent, de serpo, de ramper, oui. Alors, tourmentera sans cesse. Donc, une boisson gazeuse, c'est un terme générique. Pourrait presque dire un terme vernaculaire. Alors, un vernaculaire, c'est un truc générique, hein, voilà. Voilà, mais on le dit plutôt pour les animaux. Très actif au Kyushu. Alors ça, je pense que c'est au Japon. Ça doit être un volcan. Azo. Je sais pas, t'es sûr de toi ou tu tentes au petit bonheur la chance? Ok, bon, c'est bon. Moi, j'aime pas quand on répond au hasard, parce que je peux pas m'y fier. Si par contre tu as des arguments, même si tu te trompes, c'est pas grave. Faut éviter le hasard. Mais bon, il y a des fois, c'est pas du hasard, mais on croit que ça va. Apologiste chrétien. Apologies, alors si on connaît un peu l'anglais, apologies c'est les excuses, là ce n'est pas des excuses, apologies c'est faire la propagandiste pratiquement. Et dominé par le mont Isola. Alors il y a Isola 2000, hein, une station de ski, Isola 2000, je ne sais pas si c'est ça. Catégorie, non. Qualification, ouais, ok. Qu'est-ce que c'est qu'un ouvrier avec une qualification dans une usine? Comment on le qualifie? C'est des initiales, hein. Labier à forte odeur. Ça, c'est les labiers, c'est une plante, une fleur certainement. Bon alors attends. Putain, ça commence mal ce mot-là. C'était sûr que c'est pas par rapport au bolac que tu veux mettre mal à... Mais non, moi je peux l'écrire un salope, hein, j'ai pas de problème, mais Fourrure de blason. Ah, ça y est, je crois que je l'ai. C'est difficile. C'est difficile. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas la véritable pantoufle de verre. Ah oh, putain, quel con. Ah, je l'avais pas fait. Je l'avais pas encore fait aujourd'hui. Quoique je crois que c'est possible que je l'ai commencé. Voilà, bon, je le mets, hein, puisque je l'ai dit. Je sais pas si c'est ça, hein, mais il me semble que verre, c'est... De la fourrure
entre autres de en héraldique. Ah bah tiens, il n'y a qu'à voir juste ça, on voit qu'il y a de l'héraldique. Fourrure de l'écu. Ah putain, je suis con, je suis con, mais vraiment. Ah non, mais ça, honnêtement, je crois que c'est une chienne là. Hein. Et c'est un mot à très forte connotation sexuelle, mais qui n'a pas de connotation sexuelle là. Voilà, levrette. Alors, il ne faut pas voir l'acte sexuel, mais c'est que les levrettes, les lévriers, ça a une taille très fine. C'est d'ailleurs, c'est taillé pour la course, hein, de même. Chien. Voilà. Voilà, ça a la taille très fine. Et donc, ouais, je suppose que c'est. Je pense que c'est ça, hein. Ah, ok, c'est pas balance dans le sens pesé. C'est un autre sens du mot balance. C'est du verbe là, hein. Vire, voilà. Au cœur du saucisson. Ok. Ah, J. Ouais, bon, ok, donc là, c'était l'un ou l'autre, c'était possible. Désolé si je vous ai enduit en plein d'erreurs. Tente d'être in. Pour les intimes d'Ivanovitch. Alors, est-ce que c'est Ivanovitch qui faisait du tennis? Attends, il date de quand? Elle date de quand, la grille? De 2008, c'est possible. Alors, il avait une particularité, Ivanovitch, au service. Je ne sais pas si c'est ça. Hein. Je pense pas. En plus, ça doit être autre chose. C'était Slobodan. Non, c'est Slobodan. Je sais plus comment il s'appelle. Il s'appelait Ivan Isevitch. Bon, tant pis. Pallie l'absence de présence. Espèce de genre sycomore. Apologiste chrétien. Il craque pour piller. Ville frontière de Rhénanie est dominée par le mont Isola. Outil pour rectifier, je sais pas, est censé faire peur. Capitale des Mérinides, je sais pas du tout. Bon, ça c'est deux lettres. Quand un ouvrier a une qualification, on dit qu'il a une. Et donc, il devient un ouvrier. Et donc, O et la lettre là. Catégorie du noblard. Bon, ça, ville où la moutarde montait au nez. C'est une ville dont la spécialité, voilà, Dijon. Enfin, a priori, hein.